Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Starbound V5. Donc Pleased Giraffe, bientôt Cheerful Giraffe, hein. En tout cas je l'espère. J'en profite parce que là en fait je voulais lancer un épisode sur une nouvelle planète. Et donc j'en profite pour vous montrer certaines petites choses, chers amis. C'est-à-dire que cette carte-là va rester peut-être un petit peu la même. Cette interface-là va changer, celle-ci. Mais surtout, le principe des différentes... Oula, j'y arrive avec 0 en fuel. Ah bon? Oula, j'avais un bug d'interface donc. Effectivement, j'avais sans doute un bug d'interface. Ce n'est pas grave. Tout ce qui est biomes principaux va changer. Les planètes, donc comme je l'ai déjà expliqué dans une de mes précédentes vidéos, informations sur le avant le retour donc sur le jeu, vont avoir différents biomes cette fois-ci avec différentes choses à l'intérieur, et donc cela permettra une plus grande diversité dans le gameplay, dans le jeu du dans le jeu directement, et dans le mélange des planètes entre guillemets, qui donnera une plus grande diversité en alliant ça avec la plus grande quantité de donjons. Oh là, ah oui c'est vrai, il y a des monstres dans ce jeu, j'avais oublié. Allez, viens des, hop, tiens voilà. Ah, je voyais pas les dégâts tout à l'heure. Ok. Par contre je suis déjà full. Ah, ça commence très très mal. Hop. Je vais remonter, je vais faire le vide quand même avant, chers amis. À tout de suite. Voilà, chers amis. Donc. Bah écoute, on est parti par la gauche. On part de la droite, par la droite, pardon. On va partir vers la gauche. Tiens, je vous ai pas déjà battu, vous deux? Ah, je pensais que ça allait être parti avant que je... Sale bête. Aïe. Hop. Oula, mais... Oh là là, on en prend plein la gueule. Ça fait longtemps qu'on s'est pas battu dans le jeu, mais quand même. Oh là 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 là, on est mauvais. Hop. Hop. On récupère du pixel à foison. Hop, je sais bien que c'était un truc qui était gentil, mais bon. On a le droit de se faire plaisir de temps en temps, chers amis, merde. Ah oui, j'avais mis les boots. C'est pas passé. Tiens, vas-y, bouffe. Merci. Hop. Bon, ça fait du bien. Moi, je retravaille sur un petit truc, sur un tout petit détail d'une vidéo, des prochaines vidéos, j'espère que j'aurai le temps de le faire avant... oh là, bien joué, Marcus. Avant l'arrivée de... Hop. De la 1.0. C'est un petit, on va appeler ça un petit plaisir, hein. Hop, et revient. Hop, voilà. Parfait. C'est véritablement un tout petit plaisir que je me fais, hein. Avec un petit détail, en fait, simplement. Et je vais voir si j'arrive à le faire. Enfin, il y a plusieurs petits détails comme ça qu'il faudrait que je réalise. Malheureusement, je n'ai pas forcément les connaissances requises pour... Oh là 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 là, quelle horreur. Je sais que c'est mon parapluie, d'accord. Raté. Hop, les dégage. Est-ce que je peux le garder indéfiniment? Oui. C'est bon, ça. Ah oui, d'accord. Si j'ai pas de sol sur lequel taper, par contre, ça ne servira à rien. Hop. Allez, dans le bon sens. Ça les a pas tués. Là, ça les a tués. Parfait, d'accord. Faut qu'on reprenne en main nos différentes armes, chers amis, hein. Hop. Hop. Attendre que ça revienne. Hop, t'es mauvais. Hop, les. Hop, voilà. Oula.
Mince. Hop les. Voilà. Hop. Hop les, voilà, on a suggéré l'action. Ah mince. Hop. Non. Voilà. Crac. Oh non, le cube à la con. Hop les. Hop les. Bon, ça va, on gère plutôt bien. Ah! Ça s'est joué à quoi? Hop. Voilà. Donc potentiellement plus de diversité dans les monstres, potentiellement plus de diversité dans les donjons, plus de diversité dans les planètes aussi. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va faire? Bizarre. Hop. Donc bref, plus de diversité dans le jeu en règle générale, avec aussi plus de diversité dans les différentes armes. Pas par là qu'il faut que j'aille. Hop, voilà. Je vous rappelle que le jeu est toujours disponible en nightly pour ceux qui veulent avancer dans le jeu en utilisant des commandes. J'ai essayé d'en faire l'expérience, chers amis. À chaque fois qu'il y a une mise à jour du nightly, je l'ai installé le nightly exprès pour vous. À chaque fois qu'il y a une mise à jour, j'espère qu'on peut avancer sans commande dans le début du jeu, juste le début du jeu. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement, à l'heure actuelle. Malgré les 4 ou 5 mises à jour que j'ai eues depuis que je l'ai réinstallé, je n'ai pas du tout d'avancement de ce côté-là. Et j'aimerais pouvoir réussir à le faire sans passer dans les commandes du jeu. Je trouve ça peut-être un peu plus... un peu plus normal. Je comprends que ce soit un nightly build, etc. Qu'ils veulent pas qu'on y joue comme si on jouait à la... Hop, ça s'appelle le retour. Comme si on jouait à la version finale. Je comprends tout ça, hein, sans aucun problème. Cependant, ouais, j'aimerais bien vous présenter au moins le début. Bon, après c'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. On compte pas des masses de coffres dans le coin. Hein. Par contre, des ennemis, on en compte à chier partout. Vous savez quoi, on va ressortir le marteau. Hop. Salut les filles. Venez voir papa. Hop. 6. Bon non, on va dire du 6 par ça, c'est débile. Hop. Ah quoique, ça part un petit peu. Mais bon. On verra bien sur les attaques de corps à corps. Hein. Et je vous rappelle aussi qu'il y aura un système de combo. Alors je suis curieux de voir comment ils vont gérer ça. Apparemment, ça sera qu'avec les épées. Je suis curieux de voir comment ils vont empêcher de gérer ça avec les différentes autres armes. Boum. Ça m'intrigue. Raté. Dommage, je voulais faire le coup de marteau sauté. Ah, bah je l'ai fait. On va dire en soi que je l'ai fait. Je l'ai lâché un petit peu trop tôt. Voilà, j'ai réussi à le faire. Oh, pardon. Est-ce que tu comptes m'attaquer ou... ou pas? Bonjour. Comment ça tu vas devoir m'attaquer? J'ai un marteau moi aussi. Qu'est-ce qu'il va dire si je l'inspecte? D'accord. Apparemment il a pas inspecté le bonhomme. Il a inspecté le fond. Ok. On n'a rien vu. Vous avez vu quelque chose? Pas moi. Bah alors, ton bouclier a pas tenu? C'est con. Oh, viens me voir. Boum! Là, j'ai réussi à le faire. Bonjour. J'ai rien contre vous, les glitchs, hein, mais vous êtes tellement agressifs. Oh, pardon. Hop. Voilà.
La chambre du roi qui est occupée par un péon. Bouf, voilà. Oh, le fameux Magic Scroll. On va sortir par là. Assassin's Creed. Wow. Boum. Ok, voilà. Problème de glitch résolu. Voilà ce qui arrive à ceux qui glitchent. Moi, blague-moi-y. Oh, mais... ces bots sont vraiment pas pratiques. Le double saut est bien mieux. Et consomme énormément. Elle devrait pas consommer, en fait. Elle devrait avoir une hauteur maximale. Tout simplement. Dépendante du sol. C'est stupide, mais... oh. Oh. Hop, voilà, problème résolu. Ah, mais putain de bloc à la con qui vole. Bug de génération. Voilà. Problème résolu. Pourquoi quand il s'agit de viser des choses toutes petites, j'arrive. Et quand il s'agit de viser des choses un peu plus grosses, j'en chie. Regardez. Ah, oh, puis je me bouffe les flammes. Comme un abruti. C'est un ennemi. C'est pas un gentil. Oh là là, je l'ai pris pour un gentil au début. D'accord. Drôle de bruit quand je le frappe. D'accord, c'est un bruit de glace à mon avis. En. 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 Je sais plus du tout ce qu'on faisait, il va falloir que je regarde dans les précédentes vidéos ce qu'on faisait dans Starbound. Hop les... oh, un flèche. C'est pas ces machins là qui se coupent. Voilà, qui se coupent en deux. Si on les... ah mais merde, il survit celui-là. Est-ce qu'il se coupe en deux aussi à coups de marteau? Oui. Le petit critter rouge, la grenouille de feu. D'accord. Attends voir. Oh, quel dommage. Hop là. Oh, mais tu vas mourir, oui. Hop. Crac. Bien, bien joué. Je t'applaudis pas. Hop, voilà, toi t'es mort aussi. Allez, vas-y, saute. Raté. Hop. Allez, hop. Oups, ça c'était pas prévu. Ils sont combien dans leur... oula. Les merdes. Les merdes. Je vais crever. Résolvons le problème autrement. Hop. Voilà. Hop. C'est l'heure de la fuite. De la fuite. Aïe 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 aïe. Oh putain. Ah, ça m'a manqué hein. Ça m'a manqué, chers amis. On sent que j'ai perdu toutes mes skills, le peu que j'en avais. Oh là 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 là. Hop. Comme quoi, vous voyez, jamais s'arrêter de jouer à un jeu. Tu mériterais d'être coupé en deux là pour le coup. Ok. Parfait. Oh, la découpe. Johnny la découpe. Bonjour. Alors.
Qu'est-ce qu'il y a par là, à part des couilles sur un arbre? C'est des méga branches. Alors, hop les, non. Ah, il a sauté par-dessus le sac. Et voilà, problème résolu. Alors j'espère juste une chose, c'est qu'on a, vu précédemment dans les, vidéos que il y avait potentiellement quelque chose à faire vis-à-vis du heal avec les nouveaux, avec les nouvelles capacités de bâton. Hop. Ah, ils m'ont pas manqué ceux-là. Tiens, regarde, regarde, regarde. Pouf. Ah merde. Hop. Voilà. Je vais donner un pauvre bouclier moisi. Bon, vous connaissez exterminate, exterminate. Et bah, c'est un peu ça qu'on va faire. C'est con, hein. Hop les. Ça c'est fait. Next. Oh, il s'est pas planté. Raté. Ah bah d'accord, mais il est mort quand même. Ah oui, c'est le retour. C'est le retour qui a fait ça, d'accord, ok, je capte. Ok, petit lag. Je vous rappelle qu'il y aura comment, une correction de l'optimisation du jeu, hein. Enfin, une optimisation tout simplement du jeu. Et qu'elle est plus que nécessaire, hein. Je vous rappelle que je tourne sur que je tourne Far Cry, en 100 FPS avec le patch HD texture de la mort qui tue, là, soi-disant. Il faut faire attention quand on l'installe, parce que sinon vous risquez de pouvoir jouer à votre jeu. Je fais tourner en 100 FPS sans le moindre lag, et là, Starband met mon PC à genoux. C'est la magie de Starband. Ok. Un gros biome flèche, hein. Enfin, je sais pas si c'est un flèche vraiment. Hop. Parce que là, il y a de l'humide. Ah, oh, mais merde. Hop, voilà. Oh, mais vous voyez, il y a à peine 3 secondes de, boost. C'est inutile. Hop, voilà, problème résolu. Je l'avais pas vu dans le noir, je le reconnais. Et là, il y a un coffre. Et j'ai besoin de santé, surtout. Surtout, surtout. Alors. Hop, voilà, problème résolu. Ça s'appelle le bourrage. Les dagues, j'aime pas ça. Hop. Climbing rope, j'en ai plus besoin. Hashtag endgame. C'est la première fois que je vois ce truc là, par contre, j'ai l'impression. Je m'en rappelais pas. C'est sympa, remarque. Tu crois que ta combinaison anti-radiation va te protéger de ça? Ah, il s'est mis sur la table, ce con. Ah, ça marche pas sur la table, c'est dommage. Oui, c'est fini. Bonjour. Hop, t'es mort aussi. Tu ne sers strictement à rien. Hop. Oh, il m'a touché. Oh, le sac. C'est pas grave. Hop. Lui, il a rien compris à la vie. Oh, bah moi j'ai tout. Ah non, c'est bon. Hop. Raté. Je l'ai eu. Oh, c'est échec. Et je pense qu'on est de l'autre côté, chers amis, du spawn. Pour ça, il n'y a pas 36 000 moyens de le vérifier. On va prendre quelques cubes. On va faire une antenne. Voilà. On va remonter sur le vaisseau.
Et on va tout simplement y redescendre, on aura fait le tour de cette planète. Ça faisait longtemps. Je dois reconnaître que ça faisait longtemps, ça fait du bien. Waouh. Par contre, mes nuits sont courtes, moi, chers amis. Hein. Putain. Oh oh, c'était pas le bon. Oh bah mince alors. Bon bah, on a plus qu'à partir sur la droite. Hop. Espérer trouver cette... Oh putain. Mémo, pensez à mettre le double saut, c'est 1000 fois mieux. Mon parapluie. Merci. Mon parapluie. C'est bon, Fiont, on a fait le tour. Oh, il a aimé. Ils s'aiment, ils sont amoureux, regardez. Regardez, c'est mignon. Ils sont tellement amoureux. Et là, tout le monde comprend ce qui va se passer. Bonjour. Au revoir. Hop, voilà. Voilà. Bon. Bon, bon, bon. Eh ben écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. On va récupérer quand même le cadeau qui est ici quand même, hein, merde. Viens me donner mon cadeau. Des sous. Ça j'ai pas à vous payer. Des bandages. Il y en a certains qui ont trouvé ma blague sur le PQ très très nul, mais écoutez, hein, regardez-le comment le... La tronche du sprite, hein. Où est-ce qu'il est? Je le vois plus. Ici, c'est littéralement un rouleau de PQ mis à l'envers. Hein. S'il le mettait dans l'autre sens, vous l'auriez tous vu. Bon, il y a encore des cadeaux à me donner. Oh, vous êtes trop gentil. Téléporte-toi. Mon cadeau. Du PQ. C'est pas que vous me faites chier avec votre PQ, mais... Chier, PQ, tout le monde l'a vu la blague. Est-ce qu'elle est mieux, celle-là? Est-ce qu'elle est mieux, cette blague? Téléporte-toi. Cadeau. Du riz. Ah. Un ilote là qui me donne du riz. Ça, c'est pas mignon. Tu viens pas me voir? T'as pas envie de venir me voir? Bon. Ok, des bandages. Bonjour. Et vous me donnez rien? Non. Ok. Bon. Et normalement, il y a le dernier là-bas. Voilà. Oh, des comment, des graines de blé. Si je me trompe pas. Oui. Bon, bah, ils sont gentils. Eh bien, écoutez, on va se laisser là pour cet épisode, en tout cas. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Ne pas trop le lien dans la barrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et si jamais il y a un post ce soir, je vous ferai demain une vidéo sur les quelques posts que vous avez loupés, ou en tout cas que je n'ai pas présenté sur la chaîne. Voilà, salut les gens.